Seigneur, moi j'ai compris. La nouvelle naissance. Seigneur, moi je saisis. La nouvelle naissance. J'ai regardé Acacia, Seigneur, cette fille est bien-aimée que tu m'as donnée par ta grâce. Elle pleurait, rien au monde pouvait calmer ses pleurs. Un credo ou un dogme, même pas, c'est elle, El Shaddai. Par cela, moi j'ai compris la nouvelle naissance. Je regardais au Seigneur, fais ma bien-aimée, cette épouse bien-aimée, que tu m'as donnée par ta grâce. Porta la semence déviée, tout a changé. Alléluia. Tout avait changé. L'intérieur influençait la vie de l'extérieur. Seigneur, moi j'ai compris que si moi aussi j'ai le Fils de Dieu dans mon cœur, mon intérieur sera influencé par la vie de Dieu. Oh oui, c'est si moi j'ai compris. La nouvelle naissance. Nathalie Bongolo, Acacia Nanga, Mona Yoyo Pesa Kinga, Nangoluna yo, Ezala kiye kolela, kolela se kolela, mon côté a koka kiye, kosilisa kolela naye, bobele oye linga kiye, kolonanga. Gaipena na sosolie, kobotama na mibale, bolo ngai na sosolie, kobotama na mibale, kolo ngai na sosolie, zambeo kobotama na mibale. Nga inkolo fait nanga moi si yo pese kingai nangoluna yo et même qui est mon bota oyo na bomo yo soe bongwana ki kolala e bongwana ki ye kolia e bongwana ki. Ata solo e bongwana kiye. Amen. Nyonso e bongwana ki. Soki ngai pe na motema na ngai, nazali na mwana na Nzambe na bomo. Nyonso pa na ngai eko bongwana. Amen. Ngai na sosoli kobotama na mibale bolo ngai na sosoli kobotama na mibale. Respect, ok. C'est les secrets. Jésus, aide-nous, Seigneur.
Jésus, aide-moi à avoir du respect envers tes serviteurs. Oh, aide-moi, Jésus, aide-moi à avoir du respect envers tes serviteurs. Alléluia! Amen. Après avoir chanté tous les psaumes, après la psaume 105, David nous dit, mes bien-aimés, qu'à cause d'un petit nombre de gens, Dieu ne fera pas des rois, il châtie des nations. En disant ceci, ne touchez pas à mes oreilles et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que va y'en comme il ou qu'il n'a pas de problème. Mais Seigneur, je t'en prie, oh, aide-moi, Jésus, aide-moi à avoir du respect envers tes serviteurs. Oh, aide-moi, Jésus, aide-moi, Jésus, à avoir du respect envers les autres. Qu'il soit pentecôtiste, bouddhiste ou pas, qu'il soit dit messager ou pas, qu'il soit méthodiste ou baptiste, qu'il soit chrétien ou païen, un frère viendra vers toi et te dira nanana. Bien aimé, l'année dernière, l'Éternel m'a montré un songe et toi tu rigoles. En se moquant de ses songes, tu lui ferais, tu as mangé des foufou et tu es allé avoir des cauchemars. Mais oui, moi je voulais dire bien aimé, alléluia, Dieu parle à travers des songes. Car s'il parle à travers des songes, hier, mes bien aimés, c'est qu'aujourd'hui il parle à travers des songes. Ainsi, apprenons un peu à contrôler nos bouts. Oh, aide-moi, yes, oui. Oh, aide-moi, Aide-moi, Marthe et Marie, alléluia, dans le Nouveau Testament, comme mon Seigneur Jésus-Christ lui-même était sur cette terre, mes bien-aimés. Jésus n'avait pas de famille, aïe, sa famille était Marthe et Marie. Et leur bien-aimé frère Lazare, lui l'ami intime de Jésus. Un jour, Lazare tomba malade, on alla chercher Jésus-Christ. Où était-il? Il était dans les affaires du Père. Toujours dans les affaires du Père. Après 4 jours, il revient, tandis que Lazare était pourri. Alléluia. Même mes bien-aimés, et marquer le respect de Marthe et Marie. Marthe sortit premièrement et se jeta aux pieds de Jésus. Et lui dit ses paroles qui le toucha. Vraiment du fond de son cœur. Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Mais même maintenant, je crois que toi, tu es la résurrection et la vie. Et que dans les derniers jours, mon frère Lazare va ressusciter. Jésus la ramène au temps présent. Je suis la résurrection. C'était là devant la tombe. Et comme un homme, Jésus pleura. Mais après avoir pleuré, remarquez le Créateur qui parle et dira, Lazare, sors. Cet homme qui était mort après 4 jours, les voilà encore en vie. Amen. Na, na, na. Mais Seigneur, je t'en prie, oh, oh, aide-moi, pour voir le résultat. Aide-moi, avoir du respect envers les uns les autres.
aidez-moi. Envers ton serviteur, aidez-moi. Avoir du respect envers les uns les autres. Alléluia. Jésus. Dieu de gloire. God is good. All the time. William Marion Branham, ah ouais, le prophète dit ton déçoit. Savez-vous depuis un autre, jusqu'en ce jour, mes bien-aimés, il n'y a jamais un grand prophète comme lui. Et cela a été confirmé, Sabino. Et dans sa réunion, il y avait une femme très jolie qui refusa de se couvrir très bien son propre corps. Et William Branham enleva sa veste et le couvrit. Cette femme alla jusqu'à dire insolemment, mes bien-aimés, que même pas un porc ou un chien doit écouter. C'est une religion fanatique. Et après, et William Branham, aïe. Après quelques jours, la voilà à l'hôpital. Ses yeux sortis, même dehors, en train de crier à son mari, allez chercher Frère Branham, qu'il vienne et prier pour moi. Et William Branham, il prit son fief fort de et venir. Alors qu'il arrive aux escaliers de l'hôpital, le mari courut vers